Bon, eh ben, faites vos rêves. Papa, j'ai pas sommeil. Oh si, j'ai passé une journée pleine de rebondissements divers et variés. Ça y est, le sommeil te gagne. Là, tu dors. Qu'est-ce que t'es beau quand tu dors. Papa, je dors pas. Tu vas voir, c'est plus qu'une question de seconde. Tu me racontes une histoire. Papa, il est fatigué, là. Il a une grosse journée. Et je vais dire à maman que la nuit, tu te lèves pour... Voilà, c'est ça. Eh ben, alors... Mais ça n'a rien à voir. Et j'allais le fougue la fois d'avant. Je te dis que ce n'est pas la même histoire, Michel. Et à la fin, ils ont la princesse. Bon. Une autre histoire, alors. Monsieur Mouette et Monsieur Tout habitaient une maison très similaire. Chez Monsieur Tout, par contre, la bougie n'éclairait jamais assez. Son vélo allait trop lentement à son bout. Quant au temps, chaque seconde lui paraissait plus longue que la précédente. Tous les matins, Monsieur Tout partait au travail. Le midi, il en revenait. Il se cuisinait son plat préféré, lustrait chaque planche de son parquet, ajustait la luminosité. Détails qui restaient et passaient le reste de sa journée à chercher comme